Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Separate Ways, évidemment avec Ada Wong qu'on retrouve pour ce 13e épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas 4K 60 fps, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas le j'aime aussi hein, ça fait toujours extrêmement plaisir. On va essayer de pas trop déborder parce que regardez-moi ça là, un petit saphir. Ça a l'air énorme. Bah voilà, plus de peur que de mal. J'ai pris ma rafale. J'ai pris ma rafale, c'est totalement mérité. Allez, on est parti les amis. Souvenez-vous, on avait bouger le laser. Là. Oh. Ah, ça m'a arraché. Et là, fallait que j'aille plus loin. Donc je travaille encore l'exercice là les gars. J'ai pas du tout pigé. Bon, je vais lui éclater la gueule pour la peine. Alors comme ça mon ref, c'est toi qui m'as cassé les couilles. C'est terrible. Une munition de flèche explosive. Là, y a rien à récupérer là. Y a plus rien à récupérer. J'ai rien perdu sur le chemin. Non, ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être totalement ok. Bon, c'était juste histoire de tuer, on va dire. Oh, j'ai oublié des munitions derrière. On va peut-être pas abuser. Ok, c'est parti. Il faut que je trouve le terme. Ok, les amis, regardez ce qu'on va faire. Ça, il est hors de question qu'on le mette. On parle, c'est de la belle grenade ça. Et regardez aussi ce qu'on va faire d'ailleurs, qui plus est. On va se permettre de se fabriquer le remède parfait. Vous l'aurez compris. Allez, il faut que je trouve le terminal. Connecter le dispositif. Ok. Ok, il n'y a rien derrière, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Allez, soulève-moi ça. Elle en a de la force, les gars, là, hein. Elle en a, hein. Wow. On dirait ambiance Resident Evil 2. Wow. C'est quoi cette ambiance de zinzin? Attends, c'est une ambiance de déglingo, ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces levés? On va faire ça. Et... oh, waouh. Je pensais pas le dire, mais cette fois-ci, j'ai plus assez de poudre. Oh, le couloir de laser! En dédicace au film! Oh, trop bien. Oh, je suis trop heureux. En fait, tout ce qui n'était pas dans le jeu, c'est Ada qui s'en occupe. Ça coule même un peu plus de sens que ce soit elle qui s'en occupe. Pardon? La logique voudrait que ça soit... logique voudrait que ça soit ça. Refuser. Bah, c'est pas logique que ça soit... ah, ok. Ouais, il y avait deux possibilités. Soit l'empreinte la plus marquée, c'est parce qu'il y avait du gras sur les doigts et ça s'enlève à la deuxième et troisième touche, de plus en plus. Soit justement, c'était le contraire. La première touche, c'est scindé plus vite. Mais voilà, c'était ma logique. J'ai... fait une sorte de logique inversée. L'ambiance, elle est folle ici. L'ambre, rapport de recherche numéro 12. La poursuite de nos recherches sur cette île nous permet d'y voir plus clair au sujet de l'ambre, même s'il reste bon nombre d'inconnus. L'utilité de l'ambre n'est plus à démontrer. Bien qu'il soit encore endormi, il exerce une grande influence sur les autres parasites, allant jusqu'à les renforcer. J'ai la conviction que ce mécanisme repose sur l'optimisation de la relation entre les parasites et leurs hôtes.
Au cours de nos expériences, nous sommes parvenus à recréer cela chez l'un de nos cobayes. C'est un accomplissement majeur. J'aimerais maintenant tester son influence sur l'espèce supérieure de Plaga. Malheureusement, celle-ci ne se trouve que chez les cadres des Illuminados. Et je doute qu'il soit d'accord pour participer à l'expérience. Il faut que j'élabore un plan pour trouver des volontaires. Anabel Garcia Escudero, chercheuse principale. Quelque chose me dit que c'est pas qu'un simple centre de communication. Un laboratoire, mais pas d'Umbrella. Non mais vraiment, tu me fais un tuto maintenant, mon frère? Ça, c'est me prendre pour un... un Connors. Note d'observation, Martinico! Les effets de l'ombre dépassent tout ce que j'aurais pu imaginer. Martinico était autrefois un sujet fragile et incontrôlable, méprisé par sa difformité. Mais au fil des expériences, il a acquis une résistance hors norme et des capacités de régénération surprenantes, au point de devenir insensible aux armes conventionnelles. Malheureusement, tout n'est pas parfait. Il a beau être très fort, ses facultés mentales n'ont pas évolué d'un pouce. Dans le cas, certes peu probable, où il venait à s'échapper, il serait quasiment impossible de le maîtriser. Seuls les puissants lasers sont capables de l'arrêter. Oui, je veux faire les lasers. Oh non, je crois qu'on va... Oh non. Quelle est cette ambiance sombre? Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je suis censé faire? Je peux pas remonter? Je n'ai pas compris. Ça a pas l'air sympa. Ça va pas le faire. Ah putain, c'était derrière. Oh, je suis mort. Truc m'attrape, c'est fini. J'ai peur. Je suis mort. Oh non, je suis mort. Hey, mais c'est quoi cette ambiance bizarre? Ah bah on va faire toutes les morts, on va faire toutes les morts contre lui, hein, jusqu'à connaître le parcours. Hein. Oh, le couloir de laser, j'ai envie de le faire, s'il vous plaît, laissez-moi le faire. Ça serait ultra frustrant de juste le montrer et de ne pas pouvoir le faire. C'est celui qui découpe en petit apéricube. Dédicace au premier film, évidemment. Resident Evil 4 est sorti après le premier film de Mila Jovovich. Ok. Ça a pas l'air sympa. Bon. On va essayer d'aller au bout. Ok, jusqu'ici tout va bien. On peut passer un peu plus vite. Et ici quand c'est pas... C'est sûr, c'est... Pas moins ta grande gueule! Je rigole, il casse la porte. Ok. Comment il va me trouver? Il va pas me trouver là, c'est pas possible. Hein, c'est pas possible. Oh, il y avait un trésor en haut. What the fuck, les amis? J'ai vu plein de trésors en haut. S'énerver, monsieur, tout va bien se passer. J'imagine que mon nouvel ami est le résultat d'une expérience. Ok. Oh. Ok, il a l'air énervé, hein. Je suis mort. J'aurais dû l'appeler plus vite. Oh waouh.
Oh, je me suis chié dessus, putain, c'est pas possible. Le petit coquicole. Je sais pas ce qu'il fait, je sais pas, j'ai aucune putain. Ah oh. Comment ça, un coup de couteau, ça suffit? Oh, je me suis chié dessus. Collier Ney. Ça, ça fait plaisir. Hop, ok, ça on prend, ça on prend. Bon, voilà, je suppose qu'il n'y a pas de vendeur. Le prochain vendeur sera sûrement le dernier. L'ambre, rapport de recherche numéro 14. J'en arrive à la conclusion que l'ambre peut aussi renforcer l'espèce supérieure de Plaga. J'ai bien fait de choisir Krauser comme cobaye. Les autres étaient trop méfiants. Mais l'insatiable soif de puissance de Krauser a largement suffi à le convaincre de prendre part à mes expériences. Les résultats ont été excellents. La croissance de l'espèce supérieure dépasse aisément celle d'un parasite ordinaire. Krauser est sans conteste celui qui a gagné le plus de puissance. Mais ce que nous devons vraiment craindre, c'est le pouvoir qui sommeille à l'intérieur de l'ambre. Comment m'y préparer? Que faire s'il se réveille? Peu importe, rédiger ces rapports n'a plus vraiment de sens de toute façon. Sadler est venu me voir. L'ampoule qu'il m'a remise se trouve devant moi. J'en sais trop. Je sais parfaitement ce qui se passera si je me l'injecte. D'un autre côté, si je refuse, je signe mon arrêt de mort. Je ferais peut-être aussi bien de me mettre un pistolet sur la tempe. La nuit va être longue. J'espère que c'est foutu une petite balle dans la gueule. Les amis, on va en profiter pour sortir un maximum, évidemment. Et à 4, le meilleur des bonus pour le 1,7, c'est les mêmes couleurs. Donc voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On est en bonus x 1. Ça, bonus x 1,5, c'est bon. Et pour le reste, on verra quand on trouvera le vendeur, évidemment. Est-ce qu'il y a un monde? Y a-t-il un monde où? Non, il n'y a pas de monde où. On va revenir en arrière. Récupérer ce que j'ai loupé. Je veux retourner. Oh. Screenshot. Instant screenshot. Le couloir. Oh là 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 là, trop de souvenirs. Oh, je suis trop content. Ah, c'est bête, hein, mais je suis trop content. Donc, on a ce couloir à faire. Très bien. Ok. Ah, d'accord. Des lasers, de mieux en mieux. Et... ah, oh, waouh. Ok, pas de QTE cette fois-ci. Oh, ils ont remis quand même un QTE pour le dernier. Trop bien, c'était trop stylé. Ouais, c'était tout court, c'est bête. Mais c'est la petite dédicace que je kiffe. Merci. Merci à vous. Merci à Capcom d'y avoir pensé. J'étais vraiment deg de ne pas l'avoir fait avec Leon. C'est de plus en plus dégueu, là. C'est touche à la con, là. Ok, it's Borky. It's Borky. J'y suis. Bon, j'ai plus qu'à connecter ça. Appuyer. On va peut-être tout fouiller auparavant. Mission fusil, ça sent pas bon ça. Comme disait ma grand-mère, ça sent le gâteau périmé. Ok. Je suis connecté au terminal principal. Vous allez faire sauter toute l'île? Y compris la fille du président? Ça risque pas de vous compliquer les choses? Il n'y a pas de place pour la demi-mesure. Les faibles doivent se sacrifier pour les forts. Assez parlé, va me chercher l'ambre. J'ai fait le nécessaire pour que tu puisses quitter l'île. Bien sûr. J'y vais.
Ok, Louis. Tu disais quoi déjà? Vous devriez le savoir, Wesker. Je ne vous obéis pas toujours. Ok. Quittez les lieux. Ici. Je suis pas chaud de fou là. Hein. Dans l'immédiat, je suis bien ici. Hein. Je suis bien. Ok. Ok, petite pause café ici. On est reparti. Oh, une autre pièce de laser. J'ai pas vraiment le choix. Oh, c'est trop stylé! Comme dans le film. J'ai eu de la chance. Comme dans le film et comme dans le jeu. Non, c'est incroyable. J'ai kiffé. Mon enfant ne résiste pas. Je te tiens, Sadler. Allez, chapitre terminé. J'ai trop kiffé, les gars. J'ai trop kiffé la petite phase comme ça, là. C'était un véritable bonheur et un véritable plaisir, évidemment. Allez, let's go pour la suite. Léon et Sadler. Léon se dirige vers leur sanctuaire. Ok. Je vais le rejoindre. Chapitre 7. Honnêtement, les amis, ce DLC régale en fait. Hein, vraiment, hein, ce DLC régale. Et la petite phase open world aussi avec Léon était assez exceptionnelle. Pour le coup, bravo Capcom, vous nous avez pas pris pour des cons. On a une petite save. Bienvenue. Alors, regardez ce qu'on va faire déjà. On va échanger, évidemment, ça tu l'auras compris. Ça, c'est une valeur sûre. Là, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va pimper un maximum ce petit truc très sympa, histoire que ça vaille bien les ronds. Allez, on revend, évidemment. Très bien. Ça dégage. Étrangère. Qu'est-ce qu'on peut acheter? Qu'est-ce qu'on peut acheter? On peut acheter ça par exemple. Je te souhaite bonne chance. On va finir le jeu comme ça. Et plus besoin d'améliorer le couteau, je pense. On peut acheter. Modeler une arme pour répondre. Ça. C'est un travail qui demande de la on finesse. Peut acheter ça. Étrangère. De petits ajustements peuvent faire toute la différence, tu vois. On peut acheter. On peut acheter ça. Ça t'est et on pas peut acheter ça. Hein. Voilà. Notre savoir-faire ne laisse. Est-ce que la vie est belle ou pas? Moi, je pense que la vie est belle. Allez, on est parti, sauvegarder. Let's go, on continue. Question qu'on se rapproche de la fin, mais oubliez pas qu'on a, on a toujours pas l'antidote. Hein. On a de quoi, mais on n'a pas d'antidote. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti, là, on va voir Sadler, le frère, le sang, le J, c'est le S, c'est le J. Ok, pas de soucis, j'accepte.
Ok. Ça sent bien tout ce qui se passe. Ça va que vous êtes très lent, les gars. Ah! Oh putain, il fait si peur! Iri! Ok. Ok. C'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup de balles. Ok. Évidemment, tu ne te transformeras pas, monsieur. J'ai déjà tapé ton pote tout à l'heure. Pour d'autres raisons qui me déplaisent tout autant. Ok. Allez, grenades, munitions et tout. On est bien, on est bien, on est bien. Là, il n'y a rien d'autre. Bien sûr que si, il y a deux pièces. Ou avec la tête. Ok, des flèches explosives, on est bien. Allez. On va recharger tout ça. Bon, par contre, j'ai pris des coups dans la gueule. Des coups dans la gueule, pardon. Et ça, ça me déplaît fortement. Ok. Ok, ok, on est bon. Ma mitraillette, on la gardera pour un peu plus vite. Ok, très bien. Ah, ça, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok. Il faut que j'achète la crosse aussi en fait, la mitraillette. Hein, parce que sinon, la mitraillette, elle touche mes grosses balls. Oh, regardez ce que j'ai oublié derrière. Comment ai-je pu oublier ça? C'était posé, ça m'attendait, ça n'attendait que moi. Heureusement qu'il y a la carte dans le jeu, je peux vous le dire. Ok, des petites pesetas. Ok, des petites pesetas. Et ok, une petite poudre noire. Trois petites poudres noires, ça c'est cool. Hein. Ok. Oh non. J'ai plus de balles là. On en est à là. Ça me faire chier tous. Ok. Chouch. Bon, c'est pas terminé, les amis. C'est pas terminé, étant donné qu'on va avoir de quoi se faire des petits pleasures. Et quand je dis petits pleasures, je parle de ça, évidemment, à travers des petites balles de pistolet. Et c'est tout. C'est déjà très bien. Ok. Très bien. Un peu plus noir. Est-ce que je peux en refaire tout de suite, là? Tout de suite, là, dans l'immédiat. Bien sûr. Voilà. Merci. Ok, grenade aveuglante. Regardez ce qui va se passer. Voilà. Ok, on va attendre le frère là-haut. On va lui coller quelques petites balles. Voilà, regardez, c'est un bon toutou ça. Et c'est un bon cochon ça, regarde. Voilà. Cochon teubé comme ça, on en connaît peu, mais on en connaît. Regardez. Voilà. Ni plus ni moins les amis. Utilisez le décor à bon escient. Il n'y a rien de mieux. Ok, suivant.
Comment ai-je pu oublier? J'étais sûr de l'avoir emmené avec moi tout à l'heure. Ok. Bon. Écoutez, on s'en sort très très bien pour le moment. En avant. Et ouais, on s'en sort même plus que très très bien. Pour le coup, nous sommes exceptionnels. Oh non, c'est le boss final? Une plateforme comme ça? Mais non, mais attends, c'est toujours pas un jet de... Ça peut pas être possible. Hein. Ok. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Ouais. Ça me paraît pas mal. Là, on va récupérer ça ici. Voilà. Mission de pistolet qui plus est, ça c'est un véritable plaisir et bonheur. Et clairement, je ne dis pas non, tu ne dis pas non, on ne dit pas non. Personne ne dit non ici. Qu'est-ce que c'est? Je peux faire sacrifier une balle de cette connerie. On va sacrifier deux, enfin. Ferme-la, pointe pas du doigt! Ok. Les amis, derrière il y a des choses qui traînent. Comment c'est possible? Ok, la poudre c'est bon. Mais elle était où cette flashbang? Elle était totalement à l'autre bout. Genre elle est posée sur un arbre, je comprends pas. Je l'ai pas. Oh waouh! Donc, 3 flashbangs, c'est bien. C'est bien, c'est très bien. Un béret. Oh, le béret de Crowser. On a toujours pas trouvé le scarabée d'ailleurs. Je vais mettre ici juste pour couvrir ces petits cons. Bon, oh. Balève-toi. Reste évident. Oh waouh! Bon! Ça c'est embêtant ça. Ça c'est très embêtant. Bien joué. Le pro de l'esquive. Oh non. C'est ça votre problème les gars, c'est que vous êtes des putains d'abuseurs. C'est pas possible. Wesh. Attends mes frères, c'est quoi ça? On a affronté quoi les gars là? Le boss final ou quoi? Okay. J'ai ramassé le bordel au sol. Oui. Il y a un trésor derrière ceci dit. Oh là 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 là, c'est vraiment dans tous les coins qu'ils en ont caché. Des petits malins ça, des petits malins. Une petite couronne. Oh, le sceptre de roi. Ça me plaît. En tout cas, il y a une musique assez épique. Il présage presque la fin. Mais ce n'est pas possible encore. Ok, et là, il n'y a pas de caisse. Allez, on se barre. Enfin, on monte. Enfin, on descend peut-être. On monte. Ok, un vendeur peut-être, ça me ferait plaisir. J'y suis presque. Un vendeur peut-être, ça me ferait plaisir. Un vendeur. Ça me fait plaisir. Ok les amis, on est parti. Oh oh oh, attends. Ah non, c'était une boîte de conserve. J'ai du mal à rester en place. Tu vas vraiment le faire, étrangère? Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Une affaire bien conclue. Il ne donne rien de plus. C'est un peu embêtant ça. Je croyais que c'était une mission. Il y a certaines choses que l'argent n'achète pas. C'est vrai. C'est vrai, tel que l'amour, facile. Monsieur le vendeur.
En vrai, je vais acheter ça. Je te donnerai ça quand t'auras assez de place. Waouh, c'est bon. Tiens, étranger. Ok. On n'est pas des salopes pour s'acheter des soins. Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. On commence à okay. bien cerner tes préf... J'espère que Attendez. Alors, on va modifier un dernier truc, je pense. Ouais. On va modifier ça. Très bien, les amis. Il est temps pour nous de s'arrêter là. Je vous fais des bisous. Je vais évidemment l'accrocher à ma TMP. Et si tout va bien... tout va très très bien. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. À bientôt pour la suite de notre aventure. Il y a une petite caisse derrière nous. Bisous tout le monde. Bye bye.